va amener mon peuple dans la connaissance de ce naturel, dans tout aspect de leur vie, par l'enseignement de la parole de la foi, c'est la démonstration. Il nous a donné ce pouvoir. Mbote na bino banso ba telespectateur bisika nyonso bozali bozolandanga na ngonga oyo zambe apambola bino au nom puissant de Jésus Christ. Na yambi bino lisusu na émission spéciale sur la délivrance. Et aujourd'hui, tozo loba na tina ete comment garder ta délivrance. D'abord, avant tout, quand tu as un katia ma commune, un katia sujet na biso ya lelo, j'aimerais vous dire à tous qui me suivent maintenant dans cette émission que la délivrance est une réalité. La délivrance est zélo comme côté contesté. Même Jésus, dans son ministère sur la terre, il a opéré dans cette dimension. Et il nous a laissé la parole. À mon nom, vous chassez les mauvais esprits. Il nous a démontré. Dengenini Vasalaka. Ponanini, ye moko mokozi. Mokelia yonso ayebike la délivrance est nécessaire. Mais ce n'est pas suffisant d'être délivré. Mais comment garder la délivrance, c'est ce qui est très important. Mais on va voir aujourd'hui, mais j'aimerais te dire, sans la délivrance, mokili akozala wapilelo. Parce que beaucoup en train de souffrir. Bah oppression ya dengue soki oyoki makambo ya bato okoko pike Chris il a des gens balala kate de kakanyimisu amoni bazo landaye so de kakanyimisu koshimo ebandi makambo ya ba mari de nuit femme de nuit kili tout ça ezo like ça biso ke nous avons besoin la délivrance. Délivrance est la réalité. Et Tokyo Talina Makomi, Yesu Alobi. Nanto bananano, avant tout kota na mozindo, na Marc, chapitre 16. Je lis version Derby. Marc, chapitre 16. Yoka makambo, mokozi Yesu Alobi. A partir de verset 17. Marc 16. Partie à verset 17. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Première chose. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. 18. Ils prendront des serpents. Et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci se porteront bien. Ça, c'est maloba ya nkolo Yesu ye moko. Na makambo etali sin oye kolanda ba oye bandimediye. Alobi, ce sont ici, verset 17 encore. Ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Première chose, so atikeli biso musala. C'est-à-dire, délivrance, ezamutuya. Il y a délivrance qui s'opère par la puissance du Saint-Esprit. Ils chasseront les démons. Il y a des délivrances aussi qui opèrent par la parole de Dieu. Il a envoyé sa parole. Sa parole les a guéris et délivrés de tous leurs angoisses. C'est-à-dire, il y a les délivrances qui se passent par la manifestation, il y a démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Il y a des délivrances aussi qui se passent par la parole de Dieu.
parole et koti mutu mutu akangola mi balamoko. On a vu tout cela par la grâce de Dieu dans un petit temps tout salut dans le ministère. Délivrance Eza mutu ya ponani. C'est le mot délivrance. C'est-à-dire mutu azaki livré na lokomoko na likamomoko. Maintenant, il faut azala délivré. On t'a livré, maintenant tu dois être délivré. Fobima, na le Coran. Et c'est ça beaucoup de gens. Omona mutu akomina vie moko ya loyenge comme l'alcool azoko kate. Et comme il style de alingiatika alingiangote me azoko kate. Et comme makambo ya délivrance. Omona mususu Nati fille moko aleki na délivrance ici. Une belle fille. Li bala yango yo bazo lela ba mo bazo lela bazo luka li bala ye bazo ya be ye alobi même na délivrance alobi na physique pe boye na bom tutango azongi obinga na ko kalibala te po mobali moko ako kiko satisfaire ngaite po ngana za la satisfier excuse moi de utiliser ce mot po na za la satisfier na mobali il faut la bête à tout, quatre mobali par jour. Est-ce que Atayo Moko réfléchit? Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire, Azana Bosenga, il y a délivrance. Ce qui est monique, au komina, et loko moko, ou e kangamina yo, et la kanda, au zilikaka pamba pamba, et loko mouke, tu t'enflamme. Délivrance. Sengeli. Alléluia. Ce qui est comme il est comme un fricant. Oso koka ko se débarrasse na yangote. Ndeko, vous avez besoin de délivrance. So, délivrance est tellement important. Tellement que Yesu a répété ango plusieurs fois na katia makomi. Et on va voir cela après tout comme na point d'absolu à l'élo, comment garder la délivrance. Dans le bas qui a encore quelques temps passé, mais l'élo n'a pas quatre points pour qu'on partage nabino ba téléspectateurs. Et n'a dit mike, et qu'on pambo la yo, et qu'on affecte vie na yo, le lenge ozo mona makambo, na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Tozo tanga, na livre ya Matthieu chapitre 10 partie verset 1 Matthieu 10 partie verset 1 toujours tanga version Derby et ayant appelé ses 12 disciples il leur donna l'autorité sous les esprits immondes pour les chasser et pour guérir toute maladie et toute langueur. A pesi bango unguya. A bengi baye kolenae, ba disciple. A pesi bango unguya, autorité likoloya ba milimo mabe, les esprits immondes, pour les chasser et pour guérir toute maladie et toute langueur. C'est ça la délivrance. Ça fait partie de l'évangile. Alors, oui, prêcher l'évangile, guérir le malade, chasser le mauvais esprit. C'est ça l'évangile. Ok. Voici même chapitre. Tous on continue. Chapitre 10, Matthieu. À partir de verset 16. Et quand vous irez prêcher, disons, le royaume des cieux et s'approcher, guérissez, verset 8, les infirmes, restez les morts. Rendez net le lépreux, chassez le démon. Chassez le démon. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Romona, place yoso, Yesu, azotali sabiso ke, nakati ya musale ya prédication ya évangile, il faut bengana ba milimo mabe. Pona nini, la plupart des souffrances ya batu.
il est un esprit derrière. Alléluia. Omona mutu azo balate. Azana bon comportement. Azama tata te akanki mwasi. Mobale yakoya après quelques temps, aza intéressé, aza sérieux. Omoni mobale yango pe a disparaître. Akei. Pona nini? Il est un esprit oyezo manipulé. La plupart zo mona ezali kamo ya caractère te. Il y a des femmes oyeba papa na yebi ko soigner mobale. Na iza gentil na mobale. Na gangi la mobale te na respecta la mobale me bayakaka bakendaka. Baya ata adla kaki aza sérieux denge nini? Omona azongi. Mais ce que tu as dit la plupart, il y a des choses comme mari de nuit. Comme femme de nuit. Mais surtout, quand il y a un problème, il y a un problème. Il y a un souffrir. Il y a un peu responsable, mais il y a un peu cité. Il y a un symbate. Si il y a une délivrance, il y a un problème. Ce sont des choses spirituelles. Dans Luc chapitre 9, verset 1, ayant assemblé les douze, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons et le pouvoir de guérir le malade. Il les a envoyés, verset 2, prêcher le royaume de Dieu et guérir les infirmes. Vous savez, mon âme. Partout, ils sont dans Marc, ils sont dans Luc, ils sont dans l'évangile de Matthieu. Yesu abimisi fraswana. Kende bengana mademo. Teya sangwa malamu. N'importe quel sangwa malamu. Me bengana bamilimo mabe. Pona nini ye mem. Akutai nango na minister nae. Plusieurs fois. E abengana bango. Omona bagangi bagangi. Mutu azo baluka azo bimisa fulu fulu na mnoko. Apre. Alembi. Akei. Okay. Maintenant, après avoir passé par délivrance comme ça, il y a des choses à faire. Et belé, balekina délivrance, après bamili mwana bazongi. Et la parole de Dieu dit, Yesu ye mokwa lobi, so ki bolimo mabe e bimi na kati ya mutu. Ako luka bisika ya ko vanda, as kei amonite, azongi nandaku na ebi, isa babimisa e, e ako yana set dot, et un mot ouana est comme un ploupir. Nanko tanga angolelo. Voilà pourquoi il faut tout yeba. Les matières sont très importantes pour la banane. Moutouillon saléka en délivrance. Il faut yeba garder délivrance. Nayo. Yango nazo partager nayo lelo 5 points. Mais avant tout, comme akuna, nanin totala. Matthieu 12, verset 43 à 45. Et lokonini à lobby. Matthieu 12, 43 à 45. Yoka, Jésus dit ceci. Et quand l'esprit immonde est sorti d'un homme, il va par des lieux secs, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Comment est-ce? A commission zotu ya mutu, maison na ye, ndaku na ye. Je ne tournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et étant venu, il la trouve vide, balayé et orné. Verset 45. Alors, il va et prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui-même. Et étant entré, il habite là. Et la dernière condition de cet homme-là est pire que la première. Ainsi en sera-t-il aussi de cette génération méchante. Ok, c'est que Yesu a l'obé. Ce qui m'a dit, mon mabé est bimi na katia moutou. Akeyi, alouke sika ou yakovana. Amonite, sika ako se repose. Ako songa. Mais il est mon côté cette fois-ci. Azongina, ba milimo mususu. Alors, il est un mot qui est le plus pire. Voilà pourquoi on doit savoir comment garder notre délivrance. C'est ça les mots. C'est ça les sujets pour aujourd'hui.
Totangape version ya Luke. Je crois que na lingia on Luke 11 24 26. Luke 11. Luke 11. Na tangi version d'Arbi toujours. Verset 24. Quand les esprits immondes est sorti d'un homme, il va par des lieux secs cherchant du repos. Et n'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Verset 25. Et étant venu, il a trouvé balayé et orné. Alors, il va et prend sept d'autres esprits plus méchants que lui-même. Et étant entré, il habite là. Et la dernière condition de cet homme-là est pire que la première. Voilà pourquoi ça ne suffit pas de passer seulement par la délivrance, mais aussi comment garder ta délivrance. Il y a des sujets dans le soleil. Comment on a calamité, donc balancé, délivrance, il y a petite fille. Moi, je suis en train de faire. Mais déjà, parce que je suis en train de faire, je suis en train de faire. Tant que je suis en train de faire, je suis en train de faire. Je suis en train de faire. Na molimo, basi bakangi yonso, libala na kubota, alekina deliverance force. Batu ya dengi wana, ifo bayeba, comment garder leur deliverance. C'est très important. Quand tu vois quelqu'un azo lekana deliverance, ozo ka mugongo, ezo loba nanzela na munoko na ye. Eza yete. Eza esprit satanique. Oyo ekoteli atatangi kombo ya mutu, atatangi kombo ya kamara tata na ye. Yebake, ce n'est pas le tata, c'est l'esprit qui agit à travers de tata ou camarade. Parce que pour mutu asala yo mabe, esprit moko ekoteli. Na pesa yo exemple. So ki Jesu Masia, akoko dima, Judas, azala trésorer na ye. Yende aso simba, poche, bongo, sac ya bongo. Yende aso jere. C'est-à-dire, azana quelque confiance na Judas. N'est-ce pas? Parce que ngonga moko balima so ba pona, balima so ba mapa, on a battu. Ba umeli na Yesu 3 jours na désert. Alors, boke de ko somba. So azana bongo, mutu azana teri, trésorier, aza pauvreté. Jésus n'est pas pauvre. Aza na bongo. Mutu aza, yo aza na trésorier, yo personnel. Yo personnellement, aza na trésorier. Mais mutu personnellement, ya compagnie. Tu veux dire que la compagnie, aza na trésorier. Ye personnel, aza na trésorier. C'est-à-dire, aza na bongo. Alinga, somba ma parle ça. 5000 hommes. Après, ba yipse, tu aza na désert, papa. Obosani, aza mutu amoli, mousi, ok, en esprit. Il y a une place où vous allez trouver ma pawa piya wa nakati ya désert na zam. Et moi, je suis abimi si. Alors, je suis un peu plus grand. Et vous dites, moi, je suis un peu Philippe a pèsé. A pas mouli en wa multiplié. Mais du fait que alors, je suis un peu plus grand. C'est-à-dire, je suis un peu Nani a zom, aza ko jere poste. Sak ya bongo. Et ça, Judas. C'est-à-dire, Azana confiance à Judas, sinon qu'on tient en tant que responsable et à bon côté. Mais même Judas, après quelques temps, il est écrit, et Satan a entré en Judas. Satan a entré en Judas. Satan a entré en Judas. Yoka, Satan akoko kote la mobali na, akoko kote la tata, akoko kote la mwana na, akoko kote la direktor na, akoko kote la kamarada, akoko kote la n'importe qui. Oyo amoni, akoko utilize. So, mutuaza la base, c'est l'esprit. Mais, esprit aluka kanzoto ya mutu, a manifesté asala musala na ye. Je vais te prouver ça. La parole de Dieu dit, le ciel appartient à Dieu, mais la terre, il a donné au fils de l'homme. So, ba esprit yon so, 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 y
agit ici-bas dans notre monde si visible. Il faut pas côté l'autre à mon tour. Il faut utiliser l'autre à mon tour comme instrument. Il y a un peu de bataille comme ça, il y a en vérité. Parce que vous constatez. Mais ce n'est pas seulement que Moutouanande et Zaïsprit, Neti Judas, a trahi Jésus. Esprit satanique et côté de Judas. De Judas a commis un instrument. Oyo a utilisé pour nous trahir Jésus Messie pour nous bomaye. Et la parole de Dieu a dit, et le diable a entré en Judas. Le diable a entré en Judas. Na sambeli pona yo. Okozala instrumenté na maboko ya Satana au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était clair. C'était bien dit. Satan a entré en Judas. C'est-à-dire à côté lié et à bandiko utilisé. De même, Ezo Salema, aujourd'hui, Yango, il faut y évoquer l'esprit, les démons, les mauvais esprits existent. Ils sont réels. Alléluia. Ils sont réels. Tout à l'heure, dans Luc 22, Luc 22. Verset 3. Natanga Batia, verset 3. Et Satan entrait en Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Il s'en alla et parlait, verset 4, avec les principaux sacrificateurs et les capitaines, sous la manière donc il est leur livré. Et il se rejoint et convainc de lui donner de l'argent. Mais verset 3. Et Satan entré en Judas. Na sambeli apati alelo. Esprit satanique et kokote la yote. Au nom de Jésus. Yango soko mona délivrance bazo tanga kombo. Molimo, esprit humain, esprit satanique et kote li mutu wana bazo itize ko combattre yo. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Ngai na ebi mama. Na ebi papa. Oyo. Apesi mwana na ye mabali. Comme sacrifice. Pona ko fungula restaurant moko sur place en ville ici. Na utanga komote. Zaba étranger mon koboué. Pembe. Pour pas fongola, il faut pas le kanasima ya mwana mobali. Papa ayoka na bangwa pesi mwana na ye mobali. Ya yawa. Dengi bazo pesa mwana bongo. Pour zana destin munene. Oyo tozolo ba étoile. Selon mon na bango. Étoile munene. Balima le kanasima ya mwana. Oyebi makam na zolo ba. Ataba nyama. Nana mouni linyo ya mobali, ale kana sima ya linyo ya mobali te. Nana mouni soso ya mobali, ale kana parero soso ya mobali netiye. Dengeni biso batu. Tumikitsi tina nivo wana. Tina nivo ya basest. Uzo mouna ngu normal. Ke Dieu te délivre. Merci. Alléluia. Yango wana. Et tangwa leki awa na blank you. Ngwa zambe simbi asali dega. Akoti asali ba dega wa ya denya denya ti akoti na kati atole. Ba bidon ya maya ya tole oyo mutu mako akomimani. Atomoli ya sopi yango. Po moto ezo tubaye. Moto ya molimo ezo tubaye. Ami sopi. Akanitike mai ekwe tufe moto wana. Moto ya mokili na moto ya molimo eza different. Oyo moto zola. Eza moto ya zambe ye moko. Notre Dieu c'est un fait différent. Kota na kati ya mai ekosisi sangote. Alleluia. Ili ya moto, ili ya moto. Moto oyo ye mukotangwa koti na libulu ba cheki ki ba 3 Hebreux chapitre 4 mesha kadabedi ngo.
moto naturel wana akokite parce que oyu alekiye aye mukeline ya moto yonso aye balobi ba moni quatrième homme moto wana ekokiko sala bango elokote moto etumiga son wana de makambo ebandi papa naye en pleine deliverance oyo molimo mabe ekotelie aye singa kengana kokufa na lobi osali erreur abdenge lobi wana na zongi sio na kachio jugement aliwa bande ko devant Dieu na 0 heure amen na minuit na 12 heures s'il te plaît na 12 la nuit azo me la coca zero makile bimi na zolo nae makile baniko tanga e akufi la vie est spirituelle mutu moko akosa yote mutu moko akosa yote te ba milimo mabe bazar réel ce sont des réalités so ba kote la kamutu bo ba salamu salama yo mona akuza camarade nayo atrai tuza mususu awa akabeli kamuninga naye pantalon jean depuis mwana wana abandiko lata akomi un poli ver tout le monde mwana malam me a changé comportement caractère changé akomi un poli ver ba professeur ba parent monoko gilette zokande eza jin moko kado moko envoûté travailler metango aleki na présent à Zambe a manifesté bizarre bat bavandi en plein cute azo matela bango azo matela kiti po moto ezo tumaye so azo kima anyata na se yakani ko matela mutu batundeko a mateli putu mubatu zo mona oyo eza yete na nzela ya kado la délivrance est nécessaire et je dis ça encore et encore. Ce qui m'a dit quoi? À cause de ma délivrance, à Zazoba. La délivrance est réelle. Sinon, Yesu a l'obaté partout. Alléluia. Tout le monde va apporter un peu, va bengana, va mili moumabe. Va ba Jésus. Va Simon. Va bengani bango, Simon le magicien. La délivrance est réelle. Voilà. So, ce qui m'a dit la délivrance, et si l'ité, Moussala Ezali, ni, le lengeni ni, okoko batte la délivrance, na yo. Lengeni na lobi na français, comment garder ta délivrance? Première chose, il faut être assuré que tu es né de nouveau. Jean 3, verset 1 à 8. Tu es né de nouveau. Jean chapitre 3, verset 1 à 8. Nazotanga Isamulai. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens, donc le nom était Nicodème, qui était un chef des juifs. Verset 2. Celui-ci vient à lui de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. C'est pour dire, pour opérer dans le miraculeux, il faut tambour dans la présence des amis. Il faut tambour dans la zambe pesa. Personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec cette personne. Alléluia. Ok. Verset 3. Jésus répondait et lui dit, en vérité, Nicodème, je te dis, si quelqu'un né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Azo comprend tata badu. Yesu azo qui se réponse, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un est né de et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est botamité na baptême de et na molimo okoki kokotate na bokozi yalola. Yesu AFC, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut
être né de nouveau. Il faut être né de nouveau. Kosala né de nouveau ezanini. Zambe aza molimo, mutu abota mina molimo. Nde aza né de nouveau. Naissance na biso physique naturelle tango butamina tatana mama nayo. C'est l'ordre naturel. Mais deuxième naissance auto bengi ko la deuxième naissance. Eza la naissance par l'esprit de Dieu parce que Dieu est esprit. Jean 4 24 alobiango. Dieu est esprit. So mutu yonso abotami balami balé abotamina zambe. Selon Jean chapitre 4 verset 24. Alobiboué. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui lui adorent l'adorent en esprit, en vérité. Zambe aza mutute, aza cherte, zambe aza molimo. Tango za obotami balami balé, obotami balami nali. Wana obotamina zambe. Parce que Dieu est esprit. Yango alobi, celui qui est né de l'esprit est esprit. Wana obotamina zambe. Oza mutu pambate. Okomi enfant de Dieu parce que Dieu est esprit. Soki ozamu sali azambe homme de Dieu parce que Dieu est esprit. Il faut battre comprendre. So olingo garder délivrance nayo. Il faut botama balami balé. Il faut botama na Yesu Masia. Yesu azazambe Emmanuel ça veut dire Dieu parmi nous. So yangwana. Ça c'est la première chose. Obotamina zambe. Zambe aza molimo. Obotamina molimo. Yope okomi molimo. Alléluia. Maintenant, deuxième point. Ce qui est lingo garder délivrance. Là. Il faut nourrir ton esprit avec la parole de Dieu. Au moins, le premier point, il faut obotamina molimo parce que Dieu est esprit. Maintenant, deuxième point, il faut nourrir esprit na yo. Mutema nayo avec la parole de Dieu parce que maintenant au komi esprit aux ali sous chete ko bosrate Jean 1 wana alobi celui qui est né de la chair et chair biso toza chair pambali souté toza chair avec un esprit l'esprit de Dieu so attaque esprit maintenant bilei ya bamilimo ezande parole parce que liloba zambe eza esprit. Yango wana, il faut se nourrir na liloba zambe chaque jour. Denge Yesu alobi na Matthieu 4 verset 4. Na tangi vite vite, ngongaranga ezo kende. Matthieu 4 verset 4. Alobi nini? Mais lui répondant dit, il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour dire qu'au vivre na yo après savoir accepter Jésus dans ta vie au botami na zambe oyo azam molimo yo pe komi molimo bile ya ba molimo eza diferent na bile ya ba tu oyo bazamu sini chair ce qui est né de la chair et chair yangozo lia pondu ozo lia den non maintenant au botami lisus balmi balé na molimo den non wana ezo lesa zoto yo. Mais liloba zambe za esprit yango nde nourriture ya bilei ya batu ya molimo yango il faut lire yango yango Yesu alobi l'homme ne vivra pas de pain matungulu dendo ntaba l'homme ne vivra pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et yokama comme Yesu alobi na Jean chapitre 6, 63. Jean 6, 63. Je lis au nom de Jésus-Christ. Yoka. C'est l'esprit qui vivifie. La chair profite de rien. Tu as une chair pambate. Tu as un esprit na katia chair. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne profite de rien. Les paroles que moi, je vous ai dit, sont esprit et sont vie. La parole de Dieu est un esprit. Yango, en tant qu'esprit, il faut lire bilei na yo.
bilei na yezani ni molimo. Olekina deliverance posa la na stabilité spirituelle. Eloko eningisayote. Ifomileza liloba ya zambe oyo eza esprit. Bilei ya nzoto, chair, eza biloko, dendon, ntaba, matembele, fufu, kwanga. Me, bilei ya molimo, eza ndeye liloba ya zambe. Yambabo sosoliwana, au nom de Jésus. C'est comme ça. So, attaque esprit, il faut miliza liloba ya zambe. Yangonde kope sa yo stabilité, kope sa yo force. Alobi yango, c'est l'esprit qui vivifie. Tango zo mileza liloba ya zambe, ozo li yango, parce que za bilei ya bambu ya molimo, eko vivifie yo. De plus en plus, ozo koma esprit, neti Dieu. Parce que Dieu et sa parole sont un. Jean 1, alobi yango verset 1. Au commencement était la parole. Cette parole était Dieu. Cette parole est Dieu. Alléluia. Au commencement était la parole de Dieu. Attends, pour eux. Verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu est esprit. Sa parole est esprit. Dieu et sa parole sont un. So, quand tu manges la parole de Dieu, ozo kote sa esprit ya zambe na kati na yo. Parce que Dieu et sa parole sont un. Yesu alobi, mes paroles sont esprit. Alléluia. So, ok, tira se na verset 12, 14, la parole de Dieu, na verset 14, la parole de Dieu. Et cette parole est devenue chair. Il est devenu chair. Qui est chair? Jésus. Alléluia. La parole vivante, c'est Jésus. Dieu et sa parole sont un. Tant qu'on mileisa liloba zambe, ozo mileisa esprit na yo, parce que eloko eko pesa yo stabilité force, c'est la parole de Dieu qui est esprit. So mutu nyoso oya leki deliverance, il faut ameleisa amenuri na esprit de la parole de Dieu. Yango de ko stabiliser yango Yesu alobi, l'homme ne vivra pas seulement par le pain, mais par toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Olingo vivre. Vie victorieuse. Vie stable dans ta marche chrétienne. La parole. Il faut lire yango chaque jour. Dengi ozo lire matebele, fufu, kwanga. Pour na molimo, il faut lire aussi lilobaya zambe. C'est clair et c'est simple. Alléluia. Batu mususu ozo muna bisone tito simbi eloko. Eloko te. Eloko yango wana liloba. Denge ozo lea ezo komisayo. De plus en plus, un esprit. Comme lui, Dieu. Alléluia. So, yango wana ndeko. Lelo ozana raison te. Otanga, otanga te. Tozana Bible. Anodio. Tozana Bible anodio. Oko yoka yonso. Genèse tina Apocalypse. Ozo yoka. So ya mama te ya ba homme de Dieu. Parce que belé. Oye koko lese esprit na yo. Mais salatou. O lese esprit na yo chaque jour. Parce que Yesu alubi. L'homme ne vivra pas seulement. Abo ito lia bile ite. Abo ito lia kwangate. Abo ito lia fufute. Alubi me. Eza yango kakande yi. E salaka motu. Alubi l'homme doit vivre par toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Sinon, ba esprit ya mokilio, ba démon, ba presbote, ba ko torture yo, ba obebi sa destinée na yo. Yango, mutu ayambi Yesu, okomi esprit, il faut lire bilei ya molimo. Ngo ngananga etikali 5 minutes, zambi asungangai. Voilà. Troisième point, il faut maintenir la vie de prière consistante. Luc 18, verset 1 à l'obéni, l'homme doit prier sans cesse, sans se relâcher. Yes, oyozo bonde la oye, à l'obéni, il faut sambela. Tango zo sambela, ezo pesa yo makasi. Ezo pesa yo transformation. La vie de prière pour un chrétien, c'est un style de vie. So ki yes, à l'obéni, to sambela sans cesse. Aye bike, e longa na yo, eza lié,
na vie de prière sans cesse. Kabiron ya molimo eza prière sans cesse. Wana zame yoso ifa sambe la tango yoso. Wana la Luke 18 verset 1. Na tangi noki noki, après na kangi Ephesians 6 verset 18 aussi. Yoso mi bale kaka 18. Alléluia. Luke 18 verset 1. Et il leur dit aussi une parabole pour montrer qu'il devait toujours prier et ne pas se lasser. Toujours prier et ne pas se lasser. Jésus a dit toujours. Il faut sambela. Toujours. Matin, midi, soir, nuit. Sambela tango yonso. Kala ba demi frère na biso. Ba sambela ka 5 fois par jour. Bisonde senge to salama kamwana. Oso sambela tango yonso. Yango na isi bandi mi église. Bo sambela 6h du matin. Ata 15 minutes, ata 30. 9h osambeli. Midi osambeli. 15h osambeli. 18h osambeli. Kaka bongo. E kosunga yo ko maintenir consistement la vie de prière. Et soki oso sambela dengwana. Mweba manipule vie na yo. Exacte. Maintenant, tozo tanga no kinoki. Ephesians 6, verset 18. Toujours na nikambuya prière. Yoka makambu alobi, Paul alobi. Prions par toutes sortes de prières et de supplications. En tout temps, tango yoso par l'esprit. Et veillons à cela avec toute persévérance et des supplications pour tous les saints. Alobito sambe la tango yoso. Yoka vasyon ya parole de vie. Denga alobi yango. Verset 18. Priez sans cesse, faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours, toujours, fidèlement pour tous les chrétiens. C'est-à-dire, il faut tout sembler la tango yonse. Ça, c'est, moutoua lekina délivrance. Pour garder délivrance, il faut sembler la tango yonse. Et quatre points. Il faut garder bon relation. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33 à 35, mauvaise association corrompte. Au outil qu'on les canne à délivrance, peut-être aux âmes ou langue, aux âmes diambis, n'est pas au yon, tant aux âmes gênes, tout ça libilo qu'on y soit, tout meli diamba. Alléluia. Mais, les lots, ceux qui n'ont commis qu'au tambour, les nabas camarades, oh, bah, zomela, et pas aux autres qui sont ici, yango, il faut garder bonne association. Ozan Dumba, Olekina délivrance, au Bongoli Mutima, Ozongel Bakamara Jakala, Okozonga na Poto Potoana, changer association, changer ba relation, changer batozo kutuazi, so ki olindo kade délivrance na yo. Un Corinthien, alobi ango, alobi mauvaise association corrompte. Na kotanga ango, parce que c'est très important, batumoko bazali, bazalakana tembe. Il faut tanga po, bamonake, eza bongo makambozo lobawana, eza na katia, Makomi, Natangi, attention, Yoka, parole de vie. Les mauvais amis poussent à faire le mal. Oh! Les mauvais amis poussent à faire le mal. Au Kangolami, osa délivré dans l'alcoolisme. Au Baniko Tambla, na batua, au Baba Langua Kango. Au Kozong, na bêtiswana, na vomi na yo. Il faut changer ba association. Pour pas sunga yo. Parce que, ok, ne kuna wabi. Meki muke, meka muke, mabe weza wapi, alo, zambia boi ndeko langwa, eza bongo me, omu na omeli, embute, hapo baki do, tioko kende, 3-5, basi msuzu bazo me la 12, basi ya, na kamwe enju, na delivan, mwasi mwa kwa zo me la, 24 bute, mwasi, ke Dieu te délivre. Alléluia, changer association, les mauvaises associations, association corrompt. Yoka façon d'abi dégue alobi noki noki, alobi boe. Bi, ne soyez pas séduits, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Verset 34. Pour vivre justement et ne pêche pas, car quelques-uns dans l'ignorance de Dieu, je vous le dis à votre honte. C'est-à-dire, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais, version parole de vie, et c'est Pélissingaï. Attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. Neko, changer ma camarade, ma relation na yo. Alléluia. Alléluia. Et, la dernière point, cinquième point, il faut maintenir la communion fraternelle avec les saints.
Oligo gardé délivrance dans yo. Hébreux 10, verset 25. À l'obiboué. Il faut garder la communion fraternelle avec les saints. Parce que Ndeko, Zambia lobi na makoni, to zangate na rassemblement ya basantu. Pona nini, cette communion fraternelle et ko salisa yo ko maintenir votre délivrance. Alobi, par le rassemblement de nous-mêmes, comme quelques-uns ont l'habitude de faire, mais nous exhortons les uns, les autres, l'un et l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez les jours s'approchent. Nazongi na verset 24. Et prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Pas les rassemblements de nous-mêmes, comme quelques-uns ont l'habitude de faire. Alléluia. Yokavation PDV, parole de vie, verset 25, Hébreux 10. Frères et sœurs, excusez-moi, oui, n'abandonnons pas, verset 25, n'abandonnons pas nos assemblées comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns et les autres, puisque vous les voyez, les jours du Seigneur est proche. Alors, qu'on abandonne tes assemblées, na yo. Dengue batumusu basalaka. Selon habitude na baon, bazo ya lisute, me yo zalawana. Parce que dango zo ya, ozo kuta na ba frère, na ba sœur, ezo encourage yo. Parfois, komona, camarade na yo, musu ye pe azagi na mokileti yo. Omoni ni nzambe ye, a changer vie na ye. Communion fraternelle wana, ezo salisa, ezo sunga. Yangwana ndeko olingo garder délivrance nayo ko zangate na rassemblement ya bana nzambe ko bosante 5 points. Soyez né de nouveau. 2, il faut nourrir ton esprit avec la parole de toi de Dieu. 3, il faut maintenir la vie de prière consistante. 4, il faut garder de bonnes relations. Et 5, il faut maintenir la communion fraternelle avec les saints ko zangate na ba prière. Soyez bosam la ka megerdi vendredi na tibiso. Et dimanche, Zalawana. Yaka. Yoka lilo bazambe. Eko lendi sa yo. Oko gade délivrance na yo. Yangonde esunga ki biso. Na komi na suka. Na lengi. Na sambe la pona bino. Oye bozo la nangaye. Na sambe li pona yo. Denge olandi. Emission yo. Yambangolu. Ko tambola. Na kati ya 5 principes oyo. Mwilimo santo a partage na biso. Yambama kasi. Ko menteni. Relation na yo, na zambe, na kombo na yesu. Et na symboli maboko na ngaye. A tout personne qui me regarde, ezala na television, ezala na YouTube, na Facebook, na Instagram, na réseaux sociaux, dengi yo impose maboko na yo na écran, soit TV, soit téléphone na yo, soit iPad, na symboli nguya zambe et traverse yo. Na pameli molimo yoso, o ezo domine, ezo kontrole vie na yo makanis na yo. Ils ont contrôlé les autres. Na yo. Na pameli bango, na bengana bango. Denge Yesu a pesingai ordre mitindo. Obi à mon nom, vous chassez les mauvais esprits. Tout esprit mauvais. Na bengana bango na vie na yo. Na bomi opération na bango. O kangolami, o bikisami. Molimo wana derrière coulement de sang. Na bengana ango. E katani lelo. Ozo la nangai. Molimo a liboma wana. Na paralysé na bengane yango. Molimo epilepsie, je le chasse au nom de Jésus. Molimo wana ezo belisa yo. Yo wana okomi client à hôpital. Na bengana molimo wana na kombo na Yesu et na déclaré au kangolami obikisma, obikisami. Alors bi gratuitement nous avons reçu, gratuitement aussi donné. Yamba lobiko na yo, yamba délivrance na yo au nom de Jésus-Christ to sameli. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tokutane prochainement une émission spéciale sur la délivrance. Dans cette émission, nous parlons toujours de la délivrance. Que mon Dieu vous bénisse. Dans la
la connaissance des choses naturelles dans tout aspect de leur vie. Par l'enseignement de la parole de la foi, c'est la démonstration. Il nous a donné ce pouvoir. Il nous a donné ce pouvoir.